Actuellement, nous avons 9 joueurs qui sont pensionnaires toute l'année sur le pôle. On a 2 jeunes nés en 2009, 4 nés en 2008 et 3 qui sont nés en 2007. Pour encadrer ces jeunes, il y a 3 entraîneurs tennis plus un préparateur physique et avec une scolarité aménagée sur le Krebs de Poitiers. Qu'est-ce que tu fais pour les France ? Je m'entraîne, il y a de très bons coachs, de très bons joueurs, je fais l'école sur place aussi. Ici à Châtenois, on avait 5 joueurs du Pôle France de Poitiers. Et donc, les 2009-2008 ont joué là. Et nous avons le 2007 qui arrive mardi, pour jouer mardi soir, enfin qui arrive lundi soir, enfin qui va jouer mardi soir. Donc voilà, on n'aura pas tout l'effectif, mais on aura eu 6 joueurs sur les 9. Mais c'est un tournoi qui, pour nous, on remet dans les programmations les tournois adultes, parce que c'est dans la formation, c'est important pour nous. Et pour connaître Olivier, les qualités des installations, de l'organisation, c'est un tournoi vraiment très intéressant pour nous. Dans leur formation, c'est très important de jouer des adultes avec des gabarits supérieurs, avec des jeux différents. Plus ils vont affronter des adversaires différents, avec des gabarits et des jeux différents, plus leur formation va être riche sur le sens tactique. Après, à eux d'aller trouver des solutions, mais ils sont compétitifs pour jouer contre des adultes, il n'y a pas de souci. Là, de la preuve, on a vu qu'ils avaient gagné des matchs. Après, ils en gagnent, ils en perdent, mais comme dans tous les tournois. Non, c'est très important pour nous, pour la formation du joueur. Il avait quel âge, qui t'a battu ? Il avait 22 ans. Et c'est pas trop décevant ? Faut apprendre ses erreurs, écoute. Quel est ton classement ? Est-ce qu'il y a un classement ? Numéro 1, français de mon âge. Oui. Et donc, tu envisages de faire une carrière dans le C'est tennis. Cela, oui. Ouais. Entre le numéro 1 mondial et gagner tous les grands chelems. Ce sont quand même des jeunes qui sont au niveau national, et même peut-être international, en classement. Oui, ce sont les meilleurs Français. Ils font partie des meilleurs. Alors, dans les 2009, on a Moïse qui est le champion de France 12 ans. Son collègue Mathis Martin qui fait partie des meilleurs Français. Et oui, dans l'ensemble, nous avons les... Ils font partie des meilleurs Français, voilà, de leur année d'âge, et certains ont un niveau international, tout à fait. Donc à terme, on pourrait dire qu'un jour, on les reverra sur le circuit. Sur le Pôle France de Poitiers, pas mal de joueurs font partie maintenant, ont fait partie des meilleurs joueurs internationaux, puisqu'on a eu, il y a quelques temps, Joe Wilfried Tsonga, Beneteau, Mahut, qui sont passés par là. Pour les plus jeunes, il y a eu Lucas Pouille, Hugo Humbert, Hugo Gaston. Donc voilà, c'est une école qui a sorti quelques joueurs, et là, il faut espérer que cela suive la direction de leurs aînés. On vous le souhaite. Merci, c'est très gentil. Merci. C'est la première fois que tu venais à Japon ? Oui, c'est la première fois. Franchement, c'est très beau, mais c'est bien, je trouve. C'est beau, c'est grand, franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Okay. Bon, mais merci, Moïse. Merci beaucoup.